Novembre 1996. Après plus de 10 ans de développement, la sonde russe Mars 96 quitte la Terre. Il s'agit de la mission spatiale la mieux équipée jamais lancée. Elle embarque 27 instruments, parmi lesquels SPICAM, développé par le Latmos, et Omega, issu d'une collaboration entre l'IAS et le LESIA. Cette mission doit révolutionner nos connaissances sur la planète Mars. Mais quelques heures après son décollage, suite à une défaillance d'un moteur de son lanceur, elle termine sa course dans l'océan. C'est toujours un moment particulier, le lancement. Donc c'est une catastrophe pour l'équipe. L'instrument est maintenant au fond de l'océan Pacifique. Mais il se trouve que quand on fait des instruments, on fait différents modèles, des prototypes, et un modèle qu'on appelle le modèle de rechange. Et donc 1996, l'échec de la mission Mars 96. Il y a eu des discussions. Une mission va peut-être émerger, cette fois-ci avec l'Agence spatiale européenne. Et c'est la mission Mars Express. Donc on ne va pas reprendre exactement le même instrument, mais on a effectivement plein d'éléments qu'on va pouvoir réutiliser. L'ESA, l'Agence spatiale européenne, voit grâce à l'existence de ces instruments la possibilité du développement rapide de ce qui sera sa première mission planétaire, Mars Express. Le lancement de cette sonde, bien plus modeste que la sonde russe, est prévu pour 2003. Globalement, pour passer de Mars 96, qui faisait plus de 6 tonnes, à Mars Express, qui en faisait probablement plus qu'une, il a fallu réduire énormément les ambitions scientifiques, d'une part. D'autre part, le coût de la mission a été bien moindre, 300 millions d'euros uniquement à l'époque. Et donc, il a fallu faire des sacrifices, il a fallu réduire les masses des instruments, et sur certains instruments, les réduire de manière très très significative, comme pour SPICAM. En fait, c'est que grâce à cette réduction de la masse d'un facteur 10 que SPICAM a pu être emporté. Il a fallu se battre à l'époque avec l'ESA pour les convaincre d'emporter cet instrument et de démontrer en particulier qu'on était capable de faire de la très bonne science, même avec 5 kilos d'instruments. La sonde Mars Express embarque finalement 6 instruments dont les principaux objectifs sont de cartographier la planète, d'analyser son sous-sol et d'étudier son atmosphère. Omega est un spectro-imageur dédié à l'étude de la surface martienne. Il en déterminera la composition minéralogique en analysant la lumière qu'elle réfléchit. SPICAM, spectrographe ultraviolet, analysera la lumière réfléchie cette fois par l'atmosphère de Mars pour en déduire sa composition. Pour les équipes européennes, c'est la première fois qu'ils vont pouvoir mettre des instruments de leur fabrication, de leur conception, autour d'un objet autre que celui de la Terre. Mars Express est lancé le 2 juin 2003 par un lanceur russe Soyouz depuis Baïkonour au Kazakhstan. Elle profite d'une configuration particulièrement propice entre la Terre et Mars qui lui permet de rejoindre sa destination en seulement 7 mois. L'insertion en orbite martienne, qui est toujours une opération extrêmement délicate, a eu lieu pour Noël 2003. Eh bien, dès les premiers jours en janvier 2004, on a commencé à observer la planète. Et en quelques semaines, des résultats majeurs ont été obtenus, et par Omega et par SPICAM, ce qui nous ont permis, vers la fin du mois de janvier, de faire la première conférence de presse où on a annoncé des choses que personne n'imaginait exister à la surface de Mars quelques semaines avant. On a mis en évidence l'existence, non pas des calottes polaires que l'on connaissait, mais la composition des calottes polaires. Et on a montré en particulier que le gaz carbonique était extraordinairement peu abondant. Et quand on faisait le bilan de tout le gaz carbonique que l'on voyait dans les glaces et dans les minéraux, on s'apercevait que cette planète avait perdu l'essentiel de son atmosphère très tôt dans son histoire. Et on a pu reconstituer l'histoire et du gaz carbonique et de l'eau à la surface de Mars. La sonde enchaîne les rotations autour de Mars au rythme d'une toutes les 7 heures depuis maintenant une quinzaine d'années. Initialement prévue pour durer 2 ans, la mission a été prolongée à plusieurs reprises par l'Agence spatiale européenne devant l'ampleur des résultats scientifiques obtenus.
L'atmosphère martienne, c'est une atmosphère extrêmement peu dense, un 1/30 de l'atmosphère terrestre. Ce qu'on cherche à comprendre, c'est comment elle fonctionne, cette atmosphère. SPICAM, regardez par exemple la formation de nuages de gaz carbonique. Donc on a du gaz carbonique qui provient des calottes polaires, qui est dégazé en été, qui va circuler dans l'atmosphère, qui va se condenser ensuite à haute altitude. Et ensuite, ces nuages vont se désagréger et revenir redéposer leur CO2 dans les calottes polaires. C'est ce cycle-là qui nous intéresse lorsqu'on cherche à caractériser le climat martien. Grâce à la longévité de la mission, on a maintenant suffisamment d'informations pour reconstituer une certaine climatologie de l'atmosphère martienne. Ça nous permet aujourd'hui de pouvoir prédire dans quel état sera l'atmosphère à un certain moment de l'année de Mars et de pouvoir anticiper justement les conditions dans lesquelles vont opérer les futures missions spatiales qu'on enverra autour de Mars. Le gros apport de Omega, c'est d'avoir permis de faire une cartographie complète de toute la surface de Mars, non seulement en imagerie, mais également en composition chimique. Et maintenant, on a des cartes minéralogiques de la surface de Mars qui permettent complètement de connaître la composition minéralogique de tous les sols à tous les endroits de la planète. C'est vraiment un apport fondamental de l'instrumentation pour la discipline scientifique, parce qu'on est passé d'un domaine où on faisait de l'observation par analogie avec ce qu'on connaissait sur Terre, de grandes structures, de grandes étendues, de formations montagneuses, de dunes. Alors je dis pas que ça n'existe plus maintenant encore, on fait encore ça, mais surtout maintenant on est capable aussi, quand on a un terrain, quand on a une structure géologique, de pouvoir avoir une information de minéralogie qui donne une information sur la composition intrinsèque du site qui est étudié. En déterminant de façon précise la nature des minéraux, on a par exemple trouvé des argiles. Des argiles, ce sont des minéraux qui se forment uniquement en présence de l'eau liquide de façon pérenne. Donc on sait qu'il y a eu de l'eau liquide à la surface de Mars et qui est restée pendant une certaine durée, donc qui a pu altérer les minéraux pour les transformer en argile. Qui dit eau liquide à un moment, dit éventuellement apparition, pourquoi pas, de vie à la surface de Mars. Si on veut rechercher des traces fossiles de cette vie, il faut le rechercher dans les zones qui ont vu de l'eau. Alors c'est pas forcément dans les deltas, les canyons, les choses comme ça, où on aurait pu imaginer qu'il y ait de l'eau liquide qui a coulé. Mais au contraire, il faut aller chercher dans les zones où les matériaux intrinsèques du sol nous disent qu'il y a eu de l'eau liquide à ce moment-là. Nous avons été capables, grâce à cette mission-là, de réécrire toute l'histoire de cette planète et montrer que très tôt dans son histoire, il y a eu une ère durant laquelle Mars a probablement eu des conditions d'environnement similaires à celles qui, sur Terre, ont permis la transition vers le vivant. On a pu identifier, caractériser et localiser des sites à la surface de Mars qui ont préservé jusqu'à aujourd'hui les conditions de cet environnement. Ce qui veut dire que si on va explorer aujourd'hui ces sites-là, on pourra remonter aux conditions qui probablement ont prévalu sur Terre au moment où la vie, comme on dit, s'est structurée et a émergé. Ce qui ne veut pas dire que ça va fonctionner comme cela, mais on sait que si la vie a démarré ailleurs que sur Terre, c'est vraisemblablement sur Mars, dans les sites que l'on a mis en évidence. Et les trois grandes missions spatiales qui vont partir en 2020 pour explorer la planète Mars vont précisément aller explorer les sites identifiés par la mission Mars Express comme ayant préservé ces conditions absolument uniques dans le système solaire.